Et bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles aventures dans Dragon Age Origins. Un nouvel épisode à l'orée de Garouville, comme disait ce cher Alistair dans l'épisode précédent. Alors, bien entendu, nouvelle zone, dit nouvel chargement, hein, bien entendu. Mais c'est assez rapide, c'est cool. Alors, ici nous sommes donc à l'entrée. Il y a des armes que je ne peux bien entendu pas ramasser. Vos On va désirs sont des ouvrir ordres. la porte. Ouh, j'aime quand on fait comme ça. On va tenter de tout fouiller. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses à revendre. Ah, ici des passages qui ont été. Vraiment des ruines elfes? Je ne savais pas que les elfes Mais vivaient sous ouais. terre comme les nains. Là, là. Gants de cuir grossier. 1,50 m. Ouais, on va pas zioter l'armure tout de suite. Alors, si vous entendez quelque chose dans la voix, dans la gorge, c'est tout à fait normal, c'est le cas. Un petit loulou. Et on brûle. Ah, ça en fait du sang. Ça en fait du sang. Tout de suite. On a vu pire, hein? Alors. Si nous regardons la carte, nous voyons que nous pouvons pas aller tout droit, à gauche ou à droite. Alors déjà, on va terminer de fouiller ici. Là, il y a un tas d'immondices qu'on peut fouiller. On trouve dedans du quartz. Le quartz, c'est très bien, ça se revend. Et je propose... Je voulais proposer d'aller sur la gauche, mais apparemment, il y a un mur de pierre devant nous. Alors, les gravats, on fouille des champs pipi. Hop. Personnellement, j'aime beaucoup le décor. Pierre, des piliers comme ça sculptés. Je trouve ça très beau, très chouette. Hop. Alors, clic droit pour déverrouiller, impossible. Garou bloque la porte de l'autre côté. Bon ben. À gauche, c'était muré. À droite, c'est fermé. Allons tout droit pour vérifier. Toute façon, ça m'étonnerait vraiment que ça soit. Non, t'es pas allé à gauche, t'es pas allé à droite, t'es pas allé tout droit. Non, non. Pour ça, il te faut. Je ne sais pas. Alors. Et ici, comme par hasard. Encore le même choix. Je voulais aller à gauche au début, allons à gauche donc maintenant. Je crois que la gauche me maudit. Comme par hasard, à gauche s'est effondré. On va aller à droite. Il y a un peu plus d'espoir. Là, il y a au Vos moins déjà désirs quelque sont des chose ordres. à ramasser. Et tiens bien. Serpentine. Pierre vert bleu taillé en forme de carapace de tortue. Ça se mange. Ils vont faire de la soupe. En parlant de manger, il y a une bonne odeur qui vient me chatouiller les narines. Oh. Quel bonheur. Toi, par contre, tu auras froid. Non. Allez, les gars. Froid, j'ai dit. Et recule. À ton tour. Recule. Un autre combat. Allez. Au bout. Froid. Meurs. Voilà. Ça, c'est une blague. Hop. Et si, ça va, ils ont pas mal. Hop, toi. Toi, t'as froid. Vas-y,
tue-les à mort. Hop. Pas besoin de mana. Non, mais au moment où je dis que... Ah si, là derrière. Meurs encore. Voilà. C'est bon. Relâche. Et on fouille. Ouais, bon. Ah, j'étais persuadé qu'il y aurait du poison. Des fioles de poison, ce genre de choses. C'est tout. Avec plaisir. Hop. Ici, un arc d'éclaireur. Bétration d'armure. Bon, non, je suis très bien. En mode mage. Des choses à fouiller. De l'argent à récupérer. Ah. Alors. Ça, je crois que ça doit être, comme il dirait, leur victime. Leur garde-manger. Un passage par là. Un passage par là. Un coffre fermé. Je ne doute pas de toi, votre toi, c'est pas ouvrir les coffres. Non. Toi, c'est pas non plus. Et toi, toujours pas. Bon. J'ai l'habitude d'autres jeux où la barre d'espace sert à sauter. Et souvent, j'ai envie de sauter. J'appuie sur la barre d'espace. C'est pour ça que je mets qu'il y a des pauses bizarres qui arrivent. Alors, par là. J'allais fouiller par là, oui. Fouiller par là ? Ah oui, c'est là que j'ai ramassé le serpentier. La pierre en forme de tortue. Qui a faim ? Non, c'est pas ça ? Ces bruits-là, je sais pas pourquoi, je l'aime pas trop. Et vu qu'on descend à l'étage suivant... D'abord fouiller la pièce ici. Une armure de la sienne. Hop. Ouais, toujours pas bien entendu. Là, un cocon. Et ça sert de soins mineurs. C'est bien, ça, c'est une belle idée. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ramasser? À part tous les coffres que je suis en train de pitoyablement rater parce que je ne peux pas les ouvrir. C'est fait, donc on va descendre. Nous n'avons pas trop le choix. Ça fait peur. Alors, j'ai essayé de me racler la gorge, mais ça tout à fait... Ça, elle est belle. Les bruits font peur. Avançons doucement. Pour pas nous faire manger en un instant. Alors, tout le monde régène. Tout le monde régène. Merci le piège. Un sol. What the... Un dragon? Ici? Les mecs, à la mort, hein? Il faut le buter, celui-là. Bon, moi je sens que je vais passer mon temps à soigner. Hop. Magie de sang. Pitié. Alors, hop, 6. Toi. Non, c'est pas ça que je veux. Alistair, quand tu peux, tu bois une. Un cataplasme. Un grand, s'il te plaît. Hein. Toi. Tu vas aussi prendre un cataplasme, s'il te plaît. Toi, tu vas lancer sur lui.
Ça laisse un petit peu de répit à mes deux. Hop, je désactive ça, comme ça je peux. Un cataplasme comme ça, une potion comme ça. Un autre combat. Oula. Alors, ici là, soigne-le. Ça, c'était du bol. Hop, comme ça. Stern, tu vas reboire un cataplasme. Meurs. Pourriture communiste. Ok, et on le tue sans un seul mort, hein, les gars. Si ça, c'était pas beau. On a buté un dragon. Code de My Lord. Merci. Super utile. Ah, je vous jure. Hop. Fouillez-toi, toi, tu seras peut-être plus. Ou pas. Un chevalier. Chevalier quand même. Bah non, pas plus. Mais non. Ça sert à quoi de donner des trésors à quelqu'un qui vient de buter un dragon? Hein? À part juste briser toutes les règles du jeu de rôle. Quand on tue un dragon, il y a toujours un gros trésor. Toujours. Il est où le gros trésor? Il est pas là. Hein? Je suis encore fait avoir. Bien entendu. Ah, si. Trésor. Bonjour, trésor du dragon. Alors là, j'ai juste envie de dire hell yeah. 19 pièces d'or. Quasi et demi. Des pierres précieuses à vendre. De l'armure. Du soin. Potion de lyrium puissante. Un arc. Long qui fait pas mal de dégâts. Bonjour. Ouf. Alors, où est-ce que j'en suis ici? 65 sur 70. Ça va. Là, il y a encore quelque chose à ramasser. Mais non, c'est un coffre qui est fermé. Bien entendu. Et nous allons pouvoir continuer. On va d'abord attendre. Voyons voir un peu tout ça. Alors, cataplasme curatif puissant. Cataplasme curatif, j'en ai en plus. Potion de lyrium. Filtre. Et ça peut toujours être intéressant à utiliser en cas de. En cas de gros monstres. Alors. Ceci est un. Cadeau. Et tous ces cadeaux, je vais les distribuer. Quand on sera. Quand on sera au campement, comme ça fera plaisir à mes petits compagnons. Et si mes compagnons se font plaisir, si ça fait plaisir à mes compagnons, à ce moment-là, ils vont être plus sympas et ils vont se donner corps et âme pour me sauver la vie. Alors, voir si pour elle. Donc là, elle n'a, comme tu dirais, rien comme armure. On va lui donner le casque en cuir. C'est pas très glamour, mais au moins, toujours mieux de la protéger un minimum. Ici, elle a une tenue. Pas trop. Ici, c'est quoi ça? C'est une armure intermédiaire. Bouclier de Templier. 4, ouais, celui-là il y a beaucoup plus de bonus. On va éviter de lui crier tout ça. Alors, ici, je vais juste voir. Il a combien en force? C'est personnel. En force, il a 28. Il faudrait 38 pour que ça fasse plaisir.
Hop. Et on passe par là. Oui. Alors voilà donc déjà un niveau de la de Garouville visité. Voyons voir ce que le reste nous raconte. Un fantôme. Eh bien, gardons-nous là. Nous avons des petits squelettes. T'as froid. Entendu. Et je t'appelle. Et puis nous maintenant on va reculer. Non, c'est pas moi qu'il faut attaquer. C'est derrière. Merveille. Les gars, je suis en train de me faire attaquer, c'est quoi ça? Vous avez, on vous a jamais appris à attaquer ceux qui attaquent le chef, hein? Meurs. Merci. Oh, allez, ce finish move, c'est rien que grâce à moi. Alors, hop. Là, des squelettes de ce côté-là. D'autres squelettes. Des archers en plus. Hop, moi je recule. J'ai froid. Un squelette affamé. Alors, vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'un squelette peut être affamé alors qu'il n'a plus d'estomac, plus de cerveau, plus de langue même. Alors, quel animal là? Toi, tu l'as. Là, ça se passe. Trois. Meurs. T'es mort ici. Toi, meurs aussi. Ok, hop. Magie du sang. Je te donne ma vie. Combien de vie? Très peu. Hop, t'as froid. Hop, tu dégages. Votre heure est venue. Et voilà. Et maintenant, on récolte tout. Que puis-je? Non, c'est pas à toi que je voulais parler. Je voulais ramasser tout ce qu'il y avait par terre. Ce qu'il y avait chez lui. Plasme. Vos désirs sont des ordres. Oui. Je m'en charge. Oui. Chez lui aussi. Encore plus de cadavres. Toi, y a rien à ramasser. Toi. Toi, y a rien à ramasser. Par contre, là-bas, y a quelque chose à ramasser. Qu'est-ce donc? Un bouclier clanique. 1,5, c'est mauvais. Par rapport à ce que l'autre. Ce qu'Elister porte, c'est mauvais. Alors ici, il n'y a plus rien à ramasser. Allons voir en face. Je m'en charge. Là, t'as de nonos, un coffre. Il n'y a pas moyen d'éclater la serrure. Je sais pas, moi, tu lances une boule de feu sur la serrure de la coffre. Ou bien tu lances un coup de gel et puis après tu pètes un grand coup d'épée. Et puis c'est bon, quoi. Ah, des araignées. Ouh, des araignées venimeuses. Alors là, il me vient en tête une chanson de... Meurs, ne me touche pas. Ouh, on est attaqué par derrière aussi. Ça, allez ça, hein. Brûle. Et de une heure. La chanson, c'est celle de Pat Tagazot, c'est Editor, suite à sa mort dans le TP numéro 7. Elles en font du bruit, ces trucs. Ok.
logiciel de Patrick numéro 7, Editor. Se fait tuer par une petite araignée venimeuse. Et sa petite chanson m'a bien amusé, m'a bien fait rire. Et c'est le genre de choses que je suis capable d'écouter en boucle. Un enfant spectral. Alors on va juste ramasser ceci. Cristal de foudre imparfait. Impossible d'équiper ce personnage. Je suis curieux de savoir pour qui c'est. C'est probablement pour le. Mommy? Mommy Namara-san. Calme-toi, mon petit. Dis-moi qui tu es. Tu cherches ta maman? Je vais t'aider à la retrouver. Maman! 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 Du calme, que vois-tu? Ok, la prochaine fois je lui dirai ferme-la. Ouh, des morts! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'en charge. Ah, tu meurs! Ne leur montrez aucune pitié! Tu ne peux pas l'emporter! Ouh, là ils sont. Ils sont morts! Ils sont morts, comment ça ils sont morts? Allez, Coco! Hop, toi tu meurs pas, hein? Si vous mourrez maintenant, à ce moment-là, je ne suis pas content. Dis, Sten, c'est pas le moment de faire une sieste, hein? Ouais, mais j'avoue que j'étais peut-être un peu con. Tiens, toi, tu vas reboire encore un coup. On va pas prendre le. On va te donner. Petit. Je suis en train de me faire défoncer. Ouah. Merci. Je meurs. Du moins froid. Non, meurs pas. Je t'interdis de mourir. Faut que tu me protèges. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Hop. Ici. 4. Là, c'est moi qui vais mourir. Je suis. Ah! Ben, écoutez, il ne reste plus que Morrigan. Hein, et Morrigan, elle va pas pouvoir faire long feu face à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Squelette. Certains sont déjà bien abîmés, comme lui. Allez, voilà. Ouah. Pas mort. Toujours pas mort. Attaque-le normalement. Ah, il est même pas mort. Eh ben, c'est sur cette mort que nous allons achever l'épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, la fin était un peu gênante, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Ça arrive, et si ça arrivait pas, ce serait même pas marrant. Un peu de challenge, il en faut quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu, des petits pouces rouges si ça ne vous a pas plu. N'hésitez pas à commenter pour dire pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a pas plu, pourquoi le ciel est bleu ou ce genre de choses. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à montrer, à partager la vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, soirée, nuit, quel que soit le moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.